Allez, du coup, après avoir fait éteindre des feux qui étaient ici, on débloque la tâche au même endroit, rénovation de briques. Alors, nous venons de recevoir un lot de briques afin de réparer les immeubles non sécurisés. Nous devons les livrer à l'atelier de traitement au village. C'est urgent et nous n'avons pas assez de chauffeurs ni de véhicules. Nous avons besoin de votre aide. Donc, il faut que j'aille là-bas. Alors, c'est pas livrer, c'est aller là-bas. Et ensuite, je prends 4 bleues briques qui vont apparaître, à mon avis, et je les livre à l'atelier de traitement. Alors à savoir que normalement, je dis bien normalement, il va y avoir une tâche suivante qui va se débloquer, mais je sais pas où, et qui consistera justement à charger là-bas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce qu'il faut. Par contre, faut peut-être de l'essence pour aller là-bas. Les blocs de béton, la zone de fabrication, je crois c'est compte de l'essence. Et je vais peut-être être emmerdé. Faudra peut-être que je récupère mon 4 pour venir réparer, je sais pas. Oh, quoi qu'il est bien là-bas. Pour venir créer, pardon. On va commencer par ça, donc par contre on va partir avec un petit Tatra Phoenix. Alors avec une petite custom couleur additionnel paint job, je le dis tout de suite, ça sera fait. Et un plateau, alors qui est temporaire, il va bientôt disparaître. C'est un plateau de Enthusiast Runner de son mode Show Me's Sideboard, je crois. Donc le plateau, alors je sais qu'il va changer, donc je peux me le permettre, je le trouve pas foufou, mais au moins c'est un plateau, ça change un peu, et du coup je vais pouvoir prendre une remorque plateau, donc on va le tester comme ça un petit coup, et je lui ai mis une couleur donc additional paint job que j'avais bien aimé dans mon New Game Plus je crois, et qui va me permettre de prendre une autre remorque plateau. Donc plateau cette fois-ci, je le dis tout de suite parce que je sens qu'on va me poser la question, qui viendra encore une fois, c'est toujours le même, hein, de logging truck trailer RSK, quelque chose comme ça. Donc le plateau du jeu mis sur roue comme la rambarde Tatra, voilà il est ici, comme la rambarde Tatra qui existe aussi. Alors j'aurais pu la prendre mais je vais changer un peu, ça permet de changer de couleur. Tiens, j'ai pas vu, je l'ai pas vu, j'ai loupé. Ah elle est là, j'avais loupé. Ok. Voilà, donc on part comme ça, on double plateau. Alors par contre, son plateau est peut-être plus large que le plateau de base. On voit pas beaucoup, ça va. Putain, c'est bizarre, je suis un peu... Ah ouais, d'accord, ok. J'avais la caméra qui était vachement en arrière, je trouve. Donc, eh ben écoute, on va essayer de charger là-dessus. Hop. On fera une petite mission avec ça. Bon, je suis pas hyper fan hein, du plateau. Je l'ai déjà dit, on en a parlé. De toute façon, il va mettre à jour son mode et il va être beaucoup mieux. Il y a plein de trucs qui vont changer. Les rambardes vont être bien mieux. Il a bien bossé, donc on verra ça quand ça sera envoyé en mise à jour. Ça devrait pas tarder. C'est dommage que les développeurs, en plus de lui donner la grue, lui aient pas filé le plateau du jeu. Et puis, je sais pas, une rambarde du jeu, éventuellement, qu'on puisse faire ce qu'on veut, quoi. C'est pareil, bon, j'aurais voulu qu'il ait la grue jaune. Ou même bleue, m'en fous. Mais une petite grue un peu plus petite parce que celle-là, je suis désolé, elle dépasse du camion, c'est trop gros pour lui. C'est trop gros. Ça va, il tient le pavé. Il se penche pas à chaque fois parce qu'elle est quand même assez haute. Surtout qu'ils l'ont encore rehaussée pour pouvoir la mettre puisqu'ils ont fait en sorte... D'ailleurs, je vais même pas regarder. Ils ont fait en sorte de pouvoir la mettre grâce à une petite rehausse qui est là, je pense. À cause justement de ça, sinon ça passait pas. Donc ils ont fait une petite rehausse comme ça de la grue. Alors il c'est également valable pour la grue sur le Tatra Force, parce qu'ils ont fait ça sur le modèle de la grue. Hein. Donc du coup ça permet de faire ça, sinon bah, ça coupait dedans. Donc c'était très compliqué, il fallait 2 ans et demi hein, pour faire ça. Fallait 2 ans et demi pour y penser, pour le faire. Par contre il y a d'autres trucs, il y a d'autres grues qui passent à travers des morceaux de camion dans le jeu de base, hein, même pas des mods. Et ça, non, non, ça on l'a pas vu ça. Pour lui il fallait surtout pas le faire. Pour les autres, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Oh, ça glisse. Ouais. Même moi, j'ai l'impression que ça glisse un peu. Bon, on prendra de l'essence au retour. Alors. J'aurais bien aimé réparer cette zone devant quand même. Parce qu'il y en a un peu marre de faire le tour. C'est rigolo, mais... voilà quoi. Tu l'as fait 20 fois, c'est bon. T'as compris que tu faisais le tour. Je pense pas qu'on y répare, hein. Ça m'étonnerait. Hein. C'est pas le genre de la maison. On répare surtout les trucs inutiles qu'on n'a pas besoin.
Les routes où on passe 80 fois par jour, par contre, ça... Ah merde, j'ai fait peur à la voiture. Bon bah, on peut pousser, hein. Elle va disparaître dans le sol, sûrement. Klaxon est très chouette, hein. Il fait un peu tour de France, mais... Non, elle s'enfonce pas dans le sol. Ah, si, ça y est. Glou 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 glou. Pouf. Ah là là. Ah, j'aurais préféré qu'elle disparaisse, je crois. Quoique, c'est plus rigolo comme ça. Bien, alors, c'est Brick. Ça va me les faire popper ou juste devant moi ou... C'est pas mal que ce soit une espèce de zone de livraison, mais bon, il n'y a pas de... Hop, et voilà. Elles sont apparues, magie. On va se mettre en marche arrière, puis on va décrocher, parce que sinon... je risque pas de pouvoir me les charger. Ouais, ils ont mis des trucs sacrément espacés, hein. J'ai un peu peur de faire une Austin Powers là-dedans. Il met le temps à tourner le Phoenix, hein, vache. Le temps qu'il me faut pour réussir à me placer. Pour la remorque. On va dire ça. Ah, je suis peut-être un peu près si je veux mettre... Bon, c'est pas très lourd, hein, mais... Si je veux mettre les ancres. Ouais, c'est un peu limite. Ouah, la vache, il soulève vachement! Ouah, la vache! Je sais pas si c'est parce que je suis un peu incliné sur le bitume là, sur le béton. Allez, viens par là. On va à la pêche. Même là, je suis presque un peu près, non? Allez. Voilà. Et de une. Ah, elle est puissante quand même, hein, c'est cool. Hein. Elle est quand même puissante cette grue, c'est ça qui est bien. Hein. De deux. Alors, celle-là, ça va être la plus compliquée à mettre, quoique c'est un peu moins haut que certains trucs. Mais je t'ai appuyé pour le bouton pour tirer, tu veux bien tirer? Merci. Allez! Ah la vache. On dirait qu'elle sait ce que je vais faire, la grue, elle veut pas obéir. Voilà, on arrive à peu près à y mettre, mais alors faut que ce soit une ressource très très basse. Faut que ce soit une ressource très très basse pour faire ça, bon bah c'est... Je vais pas passer 4 heures, hein. Je peux la mettre mieux. Ah, ça a tapé dedans. Ça, c'est pas bien. Quand même, hein. C'est un peu mieux quand même. Oula. Voilà. K.
Quel plaisir de pouvoir faire ça avec le phénix. Ah là là, enfin. Attelé. Empilé. Merci, au revoir. Enfin. 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, nous avons enfin la possibilité de bah, jouer au jeu. Ça fait pitié quand même, je trouve, mais c'est assez dingue, quoi. Devoir se dire qu'on a attendu 2 ans et demi pour ça. Alors, on va peut-être mettre la journée. Hop. Donc, il faut livrer là-bas de l'autre côté. Bon, on va faire tout le tour de la route, hein, tout simplement. Hein. Allez, hop, c'est parti. Alors, voilà, ça fait un joli ensemble. Pas mal, ça. Bon, faut se retaper le tour de la ville. Petit village. Ah, un chat noir sur la pancarte. J'aurais bien dit sur ma preneur, il y aurait moyen d'avoir les emplacements des shitlings, je crois, comme ils appellent ça. Les petits animaux, les trucs comme ça, mais je sais plus si ça passe par. Ah oui, non, ça fait un droite-gauche. Non. Ça passera pas, c'est pas la peine. Mais bah, ma preneur a l'air d'avoir déposé les armes. Hein. Je crois qu'ils ont absolument pas fait la carte. J'ai pas vérifié s'ils avaient enfin mis à jour, mais ça m'étonnerait. Je crois qu'ils ont complètement abandonné. Hein. Il me semble qu'ils ont complètement abandonné. Ouais, on va aller jusqu'au bout, ce sera plus simple. Voyons voir. Ah non, ça y est, ils ont enfin fait la carte. Ah bah ça tombe bien, tiens, ça va pouvoir m'aider à continuer mon récap des DLC, tout ça, ma comparaison des cartes, tout mon truc, ça va être pas mal ça. Bon, par contre, faut que je coupe ça parce que j'ai failli me spoil les emplacements des trucs sismiques. Est-ce qu'on pourrait pas prendre une photo avec le poteau là-haut? Peut-être une photo en ville parce qu'on verra pas grand-chose ailleurs, je pense. Peut-être à l'usine, mais ah, il est en train de boire son café. Il a la fumée dans la tronche en plus là. Ou alors il a une tête toute plate. Non, il a bien la fumée dans la tronche, ouais. Il va se cramer la tronche. On dirait un fantôme là presque. Ouais, la photo elle est sympa. Ah, c'est vraiment sensible par contre leur truc. On va prendre des petits persos juste au-dessus. Faire un easter egg sur la miniature, c'est bien. Hop. Voilà, on n'aura pas tout le bâtiment. Ouais, comme ça aussi, allez hop. Allez, c'est parti. C'est pas de la grosse tâche, mais c'est sympa. Ouais, prendre l'essence au cas où. J'en ai pas sur le toit. Je crois qu'il a pas de module de toit, le phénix. Hein, si je me trompe pas. Alors, il met le temps à tourner, mais quand il tourne, il y a des fois, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Un peu plus doucement quand même. Voilà. Il y avait des trucs sympas dans Mudrunner où t'étais obligé de changer de chemin. C'est en fait il y avait des espèces de passages à niveau. C'était souvent des ponts, je crois, des trucs comme ça. T'étais autorisé à passer si t'étais à vide, alors il n'y avait que du bois. Si t'étais à vide, t'avais le droit de passer, mais si t'étais plein, par contre, t'avais pas le droit de passer, c'était fermé. Donc c'était assez intéressant de devoir vraiment faire ton itinéraire en fonction de ça. Je sais pas si ça serait bien dans ce cas-là, mais
Peut-être des ponts qui subiraient peut-être trop le poids. Pourquoi pas la possibilité de passer, et puis si on passe, bon, on pète le pont. Ça va être rigolo. Ça, c'est ce qu'ils ont fait dans Spin Tires, les ponts qui s'effondrent sur les véhicules. La couleur me plaît moins que je croyais. Elle est sympa, mais sans plus. La rambarde aussi, enfin le plateau. Pas terrible, terrible. Mais bon. J'avais envie de tenter un double plateau sur celui-là. Maintenant qu'on peut enfin faire quelques trucs avec ce Phoenix. Ouais, toi je sais, t'aimes pas. Alors, est-ce que je vais passer tout droit comme les dernières fois, ou est-ce que je vais m'enfoncer complètement? Lui, je sais qu'il s'est enfoncé. On va voir. Hein. Est-ce que c'était parce que j'étais arrivé trop vite dedans? Ça se trouve, c'est quand t'arrives trop vite, tu passes à travers. Non, me dis pas ça. Eh, vous avez la preuve. Hein. Le premier truc où je suis passé ici, je crois que c'était pour le contrat d'ailleurs, je suis passé à travers. J'ai l'impression que c'est en fonction de la vitesse. En fait, tu crées un trou en arrivant trop vite, peut-être, je sais pas. Là, franchement, je sais plus. Là. Je sais plus. Alors, le suivant, par contre, c'est autre chose. Mais celui-là, celui-là, je piche pas. Là, je piche pas du tout. Là, je suis paumé. Un coup le plat, d'un coup il passe, un coup il passe pas. Lui, un coup il passe, un coup il passe pas. C'est. Voilà. C'est pas la première fois puisque je suis déjà passé tout à l'heure. Il me semble avec le... Ah non, avec le Mac, je suis pas passé. Donc là, ça devait être ton premier passage. Peut-être que c'est au deuxième passage, alors. De toute façon, on va y revenir. On tentera, hein. Hop. Pardon. Je suis en train de freiner, j'arrive à exploser là. D'accord. J'ai pas envie de tenter la boue, là. Oh, allez, vas-y, j'ai un camion. Je voudrais voir éventuellement s'il se comporte différemment. J'ai un camion pour m'aider, au pire. Je voudrais voir si... Alors la route a l'air déjà bien défoncée. Hein. J'ai même pas mis le camion en entier dedans. Il y a un moment, faut peut-être... J'ai même pas mis le Tatra Phoenix dedans, quoi. Qui est quand même un bon véhicule. Hein. C'est pas ce qu'il y a de top, mais c'est quand même du bon véhicule. Hein. Je l'ai à peine mis en entier dans la boue que je suis déjà à l'arrêt. C'est un délire. Ouais, bon bah. Je sens que ce passage-là, c'est fini. J'y passerai plus. À moins d'avoir un Zix ou d'être obligé. Là, j'en ai vraiment ras les noix. Je ne roule pas. Si je tire pas, je roule pas. Et même en tirant, je suis en train de me mettre en portefeuille, bordel! C'est quand tu veux, non? Là, honnêtement, j'avoue, j'en peux plus de cette, ce passage. Là, j'en peux plus. À ce niveau-là, là, la carte, j'en peux plus, quoi. Je comprends pas, quoi. Un Tatra Phoenix bloqué au premier passage dans cette zone. Même si on dirait que c'est pas la première fois que j'y passe, mais... Je sais pas ce qui sauvegarde le jeu, comment et tout. Voilà, le Zix a carrément du mal, c'est dire. C'est dire qu'un Zix a du mal quand même. Un 605, hein, pas un Zix 566. Hein. C'est une aberration, mais totale. C'est fini, je passerai plus par là, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de ce passage. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une horreur pareille. On coupera par la droite, là. Je
Je suis obligé d'avoir un camion dépanneur de l'autre côté, quoi. Mais non! Mais non! Oh! Oh là là, les boutons, ça y est, il fait déjà nuit. Quelle heure il est? Ah oui, 16h40, hein. Ah oui, non mais attends, c'est l'heure où le soleil se couche là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tatra Phoenix quoi? Euro 6? Ah, je sais même pas si c'est... si c'est sa version ou quoi, l'Euro 6. C'est écrit des deux côtés. Oui. Ah, ils ont pas fait une symétrie. Ils l'ont réécrit de l'autre côté, waouh. Ah ouais, Tatra méritait ça. Hein. Allez, on va être arrivé. Ça va être la fin de la vidéo et de la tâche. Et on va partir sur la suite. Et puis ça va pas tarder d'être la fin des tâches. Hein. Donc il me restera l'inspection du machin, du pipeline. On va faire ça en scout. Hein. On va ressortir, je pense, le nouveau scout. T'as qu'à faire. Parce que je suis pas sûr de le ressortir ailleurs. Donc après, il y a le béton là que je vais faire. Et enfin, la dernière, ça va être fondation solide en bas de la carrière. Je vais voir ce que je vais prendre. Même là, je le cale. Hein. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, c'est mon tillet. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on refait une photo devant l'usine? Ça va être très intéressant. Le soleil devrait être du bon côté, ce qui m'étonne. Je devrais être pile en diagonale pour avoir le soleil comme il faut. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Si je veux l'usine derrière, je pense qu'il y a. Ouais. Ah, elle est plutôt chouette. Hein. Ah, elle est plutôt chouette. Allez, on fait les paramètres de base. Faites-moi une sauvegarde, bordel. Faites-moi une sauvegarde des paramètres. Ah, elle est chouette, hein, avec la cheminée, tout ça. Ok, et ben voilà, allez hop. Oui, de toute façon, je vais charger ici donc. Alors, livrer 1, 2, 3 et 4. Ah merde, je suis con. Ah, heureusement que ça pose pas de soucis. Hein. Il faut maintenir appuyer ce bouton de merde pour m'envoyer sur la mission. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, des fois il y a deux trucs au même endroit, faut maintenir X pour passer sur le bon truc. Ou alors c'est parce que je suis sur les deux en même temps. Ah, je suis sur les deux en même temps. Ah, autant pour moi. Mais c'est souvent comme ça. Mais je suis sur les deux en même temps, c'est ma faute. C'est ma faute. Voilà, alors, excellente nouvelle, nous pourrons commencer à réparer les immeubles très bientôt. Vous nous avez vraiment sorti du pétrin. Vous méritez une récompense pour tout ce que vous avez fait. Si vous pouviez signer juste là. C'est leur blague de la semaine là. Il faut que je signe des papiers maintenant. Ok. Bon, et ben voilà. Donc, normalement, par contre, je vois que je l'ai dans l'os. C'est que ça a dû me débloquer la nouvelle mission. Encore une fois, au centre-ville. Donc, il va falloir que j'aille chercher un véhicule pour aller le débloquer là-bas. C'est stupide. C'est stupide. On va le laisser ici. On va aller la chercher. Ça sera fait. Ça permettra de commencer directement avec la mission. Oui, allez. C'est pas bien grave. Je te laisserai peut-être en ville, ça peut. Oh non, il y a la station service à côté, je vois pas l'intérêt. J'aurais pu aller en scout, ça aurait pu l'emmener déjà sur place, mais non, on va partir du début. Pour faire le truc du pipeline là. Je savais qu'il fallait que je laisse un véhicule là-bas pour récupérer la mission. Je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû le laisser sur place.
Donc on va enchaîner sur celle-ci, promesse en béton. Après, on fera peut-être l'inspection du convoyeur et s'il n'est pas trop tard, j'enchaînerai avec la dernière tâche, comme ça sera fait. On restera les contrats pour ce mercredi normalement. Bon, normalement c'est la dernière à récupérer. Après, il y en aura deux nouvelles de tâches, mais comme j'ai dit, ça sera avec des contrats bien plus loin, il me semble, dans l'aventure. Donc, on ira les chercher à ce moment-là. Hein. On n'y est pas du tout. Voilà, promesse en béton. On la lit pas, de toute façon. Allez hop, je l'active. De toute façon, on va l'enchaîner tout de suite. Allez, on coupe.